Salut à tous, c'est Ngo. On se retrouve pour l'épisode 18 sur Kingdom Come Deliverance. On est reparti pour la quête de la chasse avec le seigneur Hans Capon. Et on va récupérer des amanitus mouches. Vu que j'en trouve ici. Tiens, il y a un autre lièvre là. On commence à être bien chargé quand même. Ouh, elle est pas passée loin celle-là. Hein. Ouais, je l'ai eu. Pauvre lapin. Enfin, pauvre lièvre plutôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un terrier, je pense, ça. D'accord. Oh! Je commence à m'améliorer un petit peu. Je commence à m'améliorer, mais je peux plus marcher. Alors j'entends ses flèches, mais je sais pas du tout où il est lui. Hein. Ça c'est une plante aussi. Il doit être par là, j'entends le bruit par là. Je vais continuer à tuer du lièvre. Hein. Waouh! On lui a mis en pleine tête le pauvre. Ouais, va falloir que ça s'arrête rapidement parce que si je continue à tuer du lièvre, je vais même plus pouvoir me déplacer quoi. Ah, il y a carrément du gros gibier là-bas. Ça c'est excellent pour se nourrir quand même. Alors j'ai pas encore décidé, je pense que je m'arrêterai à 20 ou 25 épisodes, peut-être 20. Et je me lancerai dans les lives après dessus, tranquillement je pense. Peut-être que je lancerai des records pendant les lives, il faut que je fasse les choses bien pour ça. Que ce soit propre, du moins en qualité. Vu que le jeu n'est pas encore tout à fait stable. En termes de FPS, alors pour le moment ça va, mais en plein live il faudra que je vois pour régler ça. Bon. Il y en a un là-bas. C'est pas tout, mais là... s'il en a récupéré plus que nous, ça m'étonnerait quand même. Hein. Centrer un petit peu quand même. Je vais tout mettre à côté sinon. Ok, on a débloqué encore un atout en chasse. Le pauvre lièvre était posé à côté de moi, j'arrive pas à l'avoir. Ah non! À peu près comme ça. Ouais. Bon, ça va aller là, je pense quand même, à un moment donné. Il est en face, hein, j'entends les chiens. Hop, vitalité, carrément. Parfait. Je l'ai bien eu celui-là.
Bon, ça va aller là, je suis complètement full, c'est plus possible là, les gars. Ouais, j'ai 142, ça pèse combien ça? 0,2 fois 142, donc là ça pose problème quand même. Je vais aller le rejoindre. Hein. Surtout qu'il n'y a pas de voyage rapide quand on est full comme ça. C'est un petit peu problématique. Va falloir que j'aille vendre tous les calices que j'ai volés aussi. Faire de la thune facile. Lieu de chasse aux cerfs. Ah tiens, il y a des petits points qui se marquent comme ça. Pour la chasse, tant mieux. Il y a l'air d'avoir une petite ville ici. Alors, ouais, rivaliser avec le seigneur Hans à la chasse au lièvre. Bon, je vais retourner vers le campement, peut-être qu'il sera là-bas. Je vais peut-être en profiter avant, on va peut-être regarder un petit peu le ce qu'on a débloqué. Alors, agilité. Esquiveur. Ah, si je me suis trompé. Permet d'effectuer des bons de côté au combat. Intéressant. Bois plume. Mais du coup, ça, on l'a déjà débloqué, non? Force. Ouais, on l'avait déjà débloqué. Fossoyeur. Augmente d'un tiers vos chances de maîtriser votre adversaire lors d'une étreinte. Ça, c'est intéressant. Votre régénération d'endurance ne ralentit pas au combat. Ok, ça, c'est génial. Vous pouvez faire perdre de l'endurance à un adversaire en le bousculant quand vous sprintez. Dégâts proportionnels à la hauteur de l'armure. C'est vraiment excellent, quand même, ça. Je suis toujours étonné, en fait, à chaque fois que je découvre ces choses-là. Ça me plaît bien, on va le prendre. Par contre, ouais. Combat. Alors, à l'épée. Coup contondant. Ok, c'est que des techniques. Ok, vous faites mine d'approcher par la droite, mais frappez au visage. Contondant, surpris, vous frappez bien d'un côté aussi. D'accord, frappe avec le bouclier d'un coup de collet rapide en garde du buff. Vous déviez l'attaque de l'adversaire de côté. Épée longue. C'est ça qu'il nous faudrait, nous. Ok, on va le prendre. Donc c'est attaque au centre, gauche, droite, bas. Bon, on verra plus tard. Il nous restait d'autres choses à voir, hein. Compétences. Chasse. Alors, permet de récupérer des défenses d'animaux. Permet de récupérer les bois des animaux chassés. Ok. On va attendre un peu pour ça. Niveau principal. Alors. Ouais. Ok, la guilde des renégats. Les effets négatifs sur les statistiques sorties de. Ouais, d'accord. Vous obtenez un bonus de plus en fréquence dans les villes, villages de leur périphérie. Impossible d'associer avec celui-ci. Donc à la campagne, vous obtenez. D'accord. Je vais prendre ça. Ça m'intéresse. Premier soin 2. On va le prendre aussi. Agilité, poids plume. Ça, on l'avait déjà. Ça, je ne peux pas encore. Donc, on va attendre pour les autres points. Bon, cool.
va retourner au campement tranquille. Parce que là, de toute façon, on peut pas aller très vite. J'y suis peut-être allé un peu fort hein, sur le gibier. J'entends les chiens là-bas. On va descendre quand même, voir s'il est pas là. Ça a pas l'air. Tiens, placé dans le récipient, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah oui, d'accord. Ah, je suis bloqué. Où est-ce qu'il est parti cet abruti de Capon là? Bon, vous savez quoi? Je vais faire passer un peu le temps parce que là c'est embêtant quand même. J'ai pas envie de passer mon temps, surtout qu'on est full donc ça ne sert à rien. On va voir ce que ça dit si je fais passer un peu le temps. De toute façon, ça sert à rien que je chasse plus étant donné que voilà, on va plus pouvoir se déplacer donc. C'est un petit peu problématique. Ah, ça y est. Il est là. Alors, cette partie de chasse, monseigneur. Pourquoi cette question? Tu es resté collé à mes fesses. Pas mal. Pas mal du tout, même pour un simple fils de forgeron. Le vainqueur ne devrait-il pas obtenir une récompense? Quelle insolence. Un cerf qui réclame de l'argent à son seigneur. Or bien. Je ne voudrais pas qu'on dise que je suis un radin. Ah, on l'a battu au final. Votre cerf vous remercie humblement, monseigneur. 35 gros chaînes quand même. Nous nous sommes assez amusés pour aujourd'hui. Bon. Henri, suis-moi. Nous allons chasser. Ah, mais là, je suis full, mon gars. Alors, attendez. Ça va pas aller du tout, ça. Je vais devoir déposer ça. Je vais devoir déposer trop de viande, là, en fait. Hein. C'est pas possible, là, que je me trimballe avec tout ça. Bah, je suis encore trop lourd, c'est incroyable. Allez, je vais déposer ces flèches merdiques là, hop, voilà. Celle-ci aussi. Voilà. Ah, carrément volé alors que c'est moi qui ai... Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Bon, au moins on pourra se déplacer. C'est un petit peu dommage, c'est du gâchis, hein, mais c'est comme ça. Alors, je parlais des FPS, je sais plus si c'était dans l'épisode précédent ou celui-ci. Là, je crois qu'il y a eu une petite mâche quand même, parce que je reste stable à 60, hein, comme ça devrait l'être. Donc, c'est plutôt... ça fait plaisir quand même. Il n'y a aucune fluctuation, donc ça, c'est top.
c'est d'autres chiens qui aboient, c'était pas les siens. Où est-ce qu'on va là? J'ai vraiment l'impression d'être Jacouille à côté. J'ai vraiment l'impression d'être Jacouille, comme je disais, ouais, à côté de. Ah, je me souviens plus dans les visiteurs. Ça m'échappe. Bref. On va tomber sur un camp de bandits, je sens, ou un truc comme ça. À côté de Seigneur Montmirail, voilà, ça me revient. De Montmirail, même, je crois. En tout cas, le cheval est beau comme ça. Un truc là, non? Regarde, une fange. Et elle a été foulée récemment. Il doit y avoir des sangliers dans le coin. Bon. Comme la dernière fois. Doucement et calmement. Compris? Nous allons guetter du haut de cette butte là-bas. Oh oui, gros sanglier. Vous voulez l'abattre avec une flèche? Absolument. Pourquoi pas? Vous ne le tuerez pas ainsi. Le sanglier se chasse à la lance. Tiens donc. Donc maintenant, tu es un grand maître chasseur, c'est ça? Regarde et apprends. Ouais! T'as vu ça? Je suis vraiment doué. Tu parles, il va se relever. Alors, la prochaine fois que vous me direz que je ne peux pas tuer un sanglier avec une flèche, vous pouvez... Oh, merde. Allez, va chercher. En selle, Henri. Rattrapez ce pourceau. J'aurais dû prendre mon cheval quand même, je suis en train de me dire. J'aurais pu ramener plein de bouffe, la mettre de côté. Ah mais échec de l'objectif, attendez, j'ai même pas eu le temps de bouger quoi. Oh là là, je sais même pas par où ils sont partis quoi les mecs. Ah c'est pas vrai. D'accord, c'est carrément dans l'autre sens quoi. Ah, c'est bizarre ce qui s'est passé là, c'est un petit peu merdé quand même. Hein. C'est parce que je suis sorti de la zone peut-être. Ah, j'aurais dû regarder avant. Dur. C'est un petit peu embêtant quand même ce genre de choses, mais bon. C'est que ça, voilà. On va aller par là. Vous n'avez rien à faire là. C'est qui lui? Il y a des gars qui sortent des bois comme ça, brusquement. Dangereux. Un chasseur, je pense, mais. Il a peut-être cru que ça lui appartenait ici.
Ah, en sortant de la zone, ça m'a fait échouer la quête. C'est incroyable, ça. Incroyable. Surtout qu'on était placé au bord, donc ça, c'est un petit peu mal vu, quand même. Mais bon. Où est-ce qu'il va être? Tiens, il y a un campement ici ou quoi? Ah, il est attaché. Bande de scélérats! Vos mères vous ont chié et vos sœurs ont une plus grosse bite que vous. Oh, loupé. Complètement loupé. Allez, en plein dans le plexus. Ah, par contre j'ai oublié les techniques de combat, ça c'est moche. J'ai un gars dans le dos quoi, non? J'ai surtout oublié les techniques d'esquive. Toi t'es mort. Voilà, coup de grâce. Ah, je me souviens plus pour les esquives. Putain, va falloir que je regarde. Piller. Non! Oh là 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 là. Encore une erreur. Alors, faut dégager tout ça. Cap en côte de maille. Ok, c'est moins bien. C'est moins bien, c'est moins bien. La peau de cheval, je vais la balancer. Ok, c'est bon. On va fouiller lui maintenant. Ouh, ça par contre c'est pas mal. Ça par contre c'est pas mal. Voyons voir. Ouais, c'est mieux. Alors, on a 8-8. Ok, ça on va laisser. Ça aussi. Bon, allons le libérer. Je me doutais bien qu'il allait se passer une connerie dans le genre. Faire sculpter un buste en bronze en ton honneur, mon ami. Et où étais-tu passé? Oh, vous savez, j'ai cueilli des fraises, j'ai bu un verre de vin, fait une petite sieste. Tête de nœud! Ils ont failli me faire rôtir à la broche. Je dirais plutôt qu'ils étaient sur le point de prendre votre virginité. Dis donc, espèce de cutéreux, est-ce une façon de s'adresser à un noble? Ouais, on va être sympa. Je m'excuse, monseigneur. Je suis ravi que vous alliez bien. Je te fais marcher, triple buse. Merci de m'avoir secouru. Ça va devenir notre pote, en fait. Voir, seigneur Capon. En effet, ces ports de Couman m'ont quelque peu malmené.
Et mon maudit cheval s'est emballé. Il va falloir que tu me ramènes chez moi. Le plus tôt sera le mieux. Qui sait combien de bandits il peut encore y avoir par ici. Alors allons-y. J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui. Alors, ah, ça y est, on le ramène comme ça, ça fait plaisir. Venez, venez tous ici. Toi, aide-le. Bon. Alors, on va te soigner. Non, ça c'est lui. Quête accomplie. On a activé la toux citoyen. What? C'est quoi ça? Comment être récompensé? Ces salopards ont le culot de venir se promener à deux pas du château. Il faut qu'on envoie plus de patrouilles. Ça ne nous servira à rien, Anouche. Même si on avait 10 fois plus d'hommes, on ne pourrait pas fouiller tous les bosquets du fief. Vous vouliez me voir, monsieur? Entre. Je ne sais pas comment te remercier, Henri. Sans toi, Capon ne serait plus parmi nous. Et dire que c'était ta punition de l'accompagner. Je ne faisais que mon devoir, monseigneur. Ne sois pas si modeste, Henri. Tu as prouvé ta bravoure, mais aussi ta loyauté. Par conséquent, je te prends dans ma garde personnelle. Wow. Seigneur, je... Merci à vous. Et maintenant, trinquons à ta promotion et au rétablissement de Capon. Eh bien, ne reste pas planté là, sers-nous un verre. Désolé de vous déranger, monsieur, mais je porte des nouvelles urgentes. Quoi encore? Un palefrenier est venu de Neuilhoff. Il dit que des bandits ont attaqué leur haras ce matin. Il y a beaucoup de morts et de mutilés. Kurva. Kurva. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je n'en suis pas sûr. Le garçon était tellement bouleversé qu'il pouvait à peine parler. Il a dit qu'ils avaient massacré par pur plaisir. Condoléances, monseigneur. Votre vassal Smil est mort. Qui a fait ça? Qui sont ces gens? Aucune idée, monseigneur. Le palefrenier n'arrêtait pas de bredouiller qu'un type gigantesque en armure noire dirigeait l'assaut. Prenez autant d'hommes qu'il vous faut, et ne revenez qu'après avoir retrouvé ces salauds. Et apportez-moi leur tête. Oui, monsieur. Mes hommes sont aussi à votre service, Anouche. Merci, mon ami. Monsieur, laissez-moi les accompagner. Il fait preuve d'une énergie débordante. Leur chef, ça doit être celui qui m'a attaqué à Scalis. Il ne peut pas y avoir deux hommes qui se ressemblent autant dans le royaume. Tu penses qu'il a toujours mon épée? Un épéiste de plus ne sera pas le trou, capitaine. Comme vous voudrez, monseigneur. Quand pouvez-vous partir, Bernard? Dès que les hommes seront prêts. Parfait. Allez attendre Henri dans la cour. Et... donnez-lui un cheval. Sa propre monture? Pour avoir sauvé le seigneur Capon. Il en aura besoin. Merci, monseigneur. Merci. Bah ça nous en fera deux, alors. Filez. Je veux voir les coupables entre les mains du bourreau dans les plus brefs délais. Je ne vous décevrai pas. Bon. Ça me plaît bien, là, ce qui se passe. Ce que vous avez sur vous. Vous êtes sourd? Bon, ça, c'est un putain de bug. Ça me gonfle, hein. Alors, mettez votre cul sur une selle et que ça saute. On pourra... Qu'est-ce qui se passe? C'est sur ordre de sa seigneurie. Ouais, je fais partie de... Alors, ça c'est pas possible. Bien, maintenant hors de mon chemin. Ok, bon. Si vous êtes venu juste... Venez donc. Vous vous fichez de moi? Remettez-moi ces objets volés. Maintenant, vous pouvez entrer. Ah, qu'est-ce qui m'a récupéré? Il m'a repris les coupes. Ah ouais, il m'a repris les coupes. Certaines, du moins. Ah, elles apparaissaient comme volées encore. Mince. Pas de bol.
Bon, c'est un bug, ça, c'est vraiment embêtant quand même. Pour ça, parce que voilà, on s'embête à faire des choses et puis on est bloqué quoi. Dans tous les cas, on va s'arrêter là pour l'épisode. On aura bien avancé. Épisode prochain, je pense qu'on se barre avec eux là. Aller taper un peu du sauvage. Ça va être sympa à mon avis. Ça va être très sympa même. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer d'aller vendre un petit peu avant. On va faire ça et je le ferai en off pour vous éviter ça. Je pense que ça sera mieux. Voilà. On se quitte ici du coup. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous.